10e édition des Automnales est une véritable mosaïque d'événements tous plus insolites les uns que les autres. Car ce rendez-vous traditionnel doit année après année se réinventer pour tenter de fidéliser ses publics. Arts ménagers, salon du nautisme, de la montagne, du mouvement, du design ou encore exposition féline et canine, les Automnales ne se résument plus aujourd'hui à des expositions de robots ménagers ou des canapés en cuir. Une diversité souhaitée qui séduit également les 600 exposants. C'est un rendez-vous surtout pour se divertir. Notre but, c'est qu'on rentre aux Automnales, on en sort au bout de 4h, 5h. On s'est restauré dans des nouveaux restaurants, car chaque année, on change nos restaurants aussi. On a vu les dernières tendances d'un stand de meubles. Et puis au bout de 5h, on a vu beaucoup de choses, on a rencontré des gens. Et puis, voilà, ce qu'on ne peut pas faire sur Internet, par exemple, parce que notre ordinateur ne nous parle pas. Nous avons un taux de fréquentation, nous avons des enquêtes de satisfaction visiteurs qui nous montrent que les visiteurs reviennent jusqu'à 3 fois durant les Automnales. Alors que si nous ne faisions que des halles statiques, le visiteur fait son tour, mais ensuite ne revient peut-être pas spécialement. Hôte d'honneur de cette 10e édition, la fête des vignerons 2019. Cette fête, inscrite au patrimoine mondial culturel immatériel de l'UNESCO, ne peut avoir lieu que 5 fois par siècle. Organisée par la confrérie des vignerons de Vevey, la dernière fête des vignerons a eu lieu en 1999. C'est l'hymne, une célébration au travail du vigneron tâcheron, comme on dit dans le canton de Vaud. Donc c'est vraiment le travailleur. Mais la fête, qui était d'abord une parade, un cortège, est devenue graduellement un peu plus importante. On a fait des arènes, une petite arène, 5 000 places, 10 000 places, 15 000. Les dernières, en 77 et 99, ont eu 15 000 personnes. Et pour rester dans la tradition, rien de mieux qu'une pause gourmande pour découvrir ou redécouvrir certaines spécialités de la région, comme la longeole, cette saucisse composée de viande de porc et de fenouil, une spécialité du canton de Genève. Plus de 150 000 visiteurs sont attendus cette année à Palexpo, aux Automnales.